Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce jardin d'abord, pour vous emmener ensuite dans une promenade vers le Mont Saint-Michel, dans une terre de légende. Voilà, nous sommes à l'orée de la clairière aux fées. Sur le seuil, nous allons rentrer dans la carrière. Voilà, ces monuments funéraires étaient autrefois recouverts d'un tumulus. Et c'était le cœur de la vie sociale de l'époque. Et c'est là que se célébraient les grandes fêtes, puisqu'on était à des époques agricoles surtout, et que le moment où la graine est mise en terre était un moment particulièrement précieux. Nous sommes au bord du lac de Mirloux, et nous allons le longer pour aller jusqu'au Hêtre du Diable. Voilà, nous sommes auprès du Val de Mirloux, rocher marqué par les griffes du diable, puisque lorsque l'on se pose dans ces lieux, quand on laisse aller son regard, des visages nous apparaissent. Autant de gardiens, autant d'esprits qui imprègnent les lieux. Et certains sont grimaçants, d'autres souriants, ils sont là, les gardiens de la mémoire. Voilà, maintenant, depuis quelques années, il y a un barrage. Et en temps ordinaire, nous sommes ici les pieds dans l'eau. Mais exceptionnellement, il ne reste plus que le petit ruisseau, le Mirloux, qui a creusé son sillon dans la forêt. La coupure, la distance, la séparation entre la mère et l'enfant au moment du sevrage qui va permettre justement la naissance de la parole et ce processus d'individuation chez l'enfant. Alors ici nous découvrons l'empreinte du pied de l'archange puisque la légende nous dit que dans le combat qu'il a opposé au diable, il a pris son envol, il s'est appuyé depuis ce rocher pour s'envoler jusqu'au Mont Saint-Michel. Donc on appelle ce rocher le pas de l'archange. Et le Mont Saint-Michel se trouve dans cette direction. Nous sommes maintenant au pied de Sainte-Anne. Sainte-Anne qui est en Bretagne veille sur les passages. C'est la mère de Marie, mais c'est aussi pour les Celtes la grande déesse. Et on la représente souvent enseignant Marie. Elle tient le livre de vie. Voilà, nous sommes maintenant presque au pied du Mont Saint-Michel, au bord des prés salés sur lesquels se trouvent les moutons, au goût si caractéristique. Mais nous restons du côté de la Bretagne, nous n'avons pas franchi le Couesnon, nous sommes restés au bout de la digue qui vient de la chapelle Sainte-Anne. Ce qui nous permet d'avoir un point de vue insolite.